Bonsoir! Ouais! Ouais, j'ai une gueule à l'envers, je sais. C'est pas grave. Bonsoir! C'est bien. C'est la reprise. Bonsoir à toutes et à tous. Attends, je baisse le son pour qu'on puisse s'entendre. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on est bien niveau son? Est-ce qu'on va pouvoir commencer à s'entendre gentiment et qu'on aura un bon équilibre entre les deux types de sons, entre ce qui se passe dans les oreilles, mais aussi ailleurs? Merci Take a Kleenex pour les premiers subs. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Oh là là, ça revient. Incroyable. Quelques jours sans aller café et tout d'un coup, on perd tous nos repères. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir à la gueule, l'idée était de prendre un petit peu de repos ces derniers jours, car la NBA reste une saison marathon. Et donc, en parfaite honnêteté avec cette formidable commu, c'était l'occasion de recharger un peu les batteries. Et puis, quitte à être 100% transparent, hop, la petite picousse dans le bras gauche. Et donc, du coup, je peux qu'utiliser le bras droit depuis 48 heures. Donc voilà. N'oubliez pas, comme d'habitude, de faire attention aux distances de sécurité et les gestes barrières pour faire tout ce qu'il faut. J'espère que vous allez bien. Ça fait quoi? Ça fait, oh, ça va, ça fait pas non plus une éternité qu'on s'est pas vu. Ça doit faire une semaine. Un truc comme ça. On se prépare tous pour le 10 surtout. On est bien d'accord que le 10, on va s'éclater. On rappelle évidemment que le 10 février, jeudi prochain, dans 9 jours. Jeudi prochain, nous serons ensemble pour vivre cette trade deadline 2022. On vous rappellera les horaires. Merci le Green Giant. Salut Simon qui est là. Vous savez quoi faire quand il y a Simon qui est dans le chat? On dit bonsoir. On parle de dessert, d'autobus et de sorciers paralysés. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que donc le jeudi 10 février, on sera ensemble sur ce canapé légendaire pour pouvoir discuter de la trade deadline avec Alex et Simon les dernières heures. Avant la fin de la période de transfert, on vous redonnera l'horaire, mais il y a moyen que ça tourne autour d'un 18h jusqu'à 21h, une connerie comme ça. Et donc, c'est un événement absolument immanquable. Immanquable tout court. Parce qu'on va savoir ce qui se passe avec Tobias Harris, avec Ben Simmons, avec les Kings, avec les Hawks, avec tous ces joueurs dont on parle dans les rumeurs, Domantas Sabonis, Jeremy Grant, Talen Horton-Tucker et compagnie, voir si on aura des transferts. Moi, je pense qu'on va avoir un jeudi assez actif et que ça va monter gentiment en température à partir de ce lundi. Je préfère être clair, à mon avis, il va y avoir un ou deux transferts qui vont avoir lieu en préchauffage de jeudi prochain. Donc voilà, 10 février, j'ai hâte. Eh bien, moi aussi, mon cher bonbon. C'est l'anniversaire de mon papa, il a 70 ans et il est fan de dire qu'il s'appelle Vincent. Eh bien, vous savez quoi mettre dans le chat? On souhaite un bon anniversaire à Vincent, fan de Dirk, qui a 70 ans. Est-ce que c'est Dirk qui a 70 ans ou est-ce que c'est ton père? C'est ça peut-être la grosse question. Dans tous les cas, on souhaite bien évidemment des bons anniversaires à Vincent et à tous les fans de Dirk Nowitzki. On va respecter les classiques, évidemment. Pour ceux qui sont avec nous maintenant sur Twitch, eh bien bonsoir, vous n'avez rien loupé, on est là depuis 3 minutes, on va pouvoir démarrer le menu ce soir, plein de rumeurs de trade deadline sur lesquelles je vais revenir en détail, ça a été envoyé sur Twitter, un retour aussi sur les petites infos qui sont tombées sur la journée de ce mardi, on est mardi c'est ça? Ouais, je crois qu'on est mardi. Et pour ceux qui sont sur YouTube, on est peut-être mercredi du coup, et vous regardez le replay de mardi, mercredi, si on se comprend. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va faire les choses dans l'ordre, et donc ça passera forcément par le fait de devoir se dire bonsoir, une petite lampée, et après on va voir les gens qui sont dans le chat, pour dire bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont là, bien évidemment, pour vivre ce direct. Bonsoir Bernabix, salut Jean-Michel, Shake, salut Celtic Fan One, salut Dame Dalle, qui j'ai Zibigno, salut Belgian Celtic, DJ Green Giant évidemment, Pancrate, salut Guillaume, salut Rod the Worm, Léo Ruel évidemment, bonsoir Suns FR, qui est là, des bisous plein copain, merci Dudlife pour les petits subs, bonsoir Morph, Raph, qui est-ce que j'ai Flouze? Je vais devoir ralentir le chat là, vous êtes un milliard, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais lire les choses dans l'ordre comme ça. Orfalco, bonsoir Mourf, salut Korbak, Wheezy TLS, salut Zen Curiel, salut Sharpshooter,
Dreamers, bonsoir Boss Gambit, merci pour le sub. Salut Ziancer numéro 3. Marco Pimpo, Chocho 82, salut Stevie, bonsoir à Flouz. J'espère que Tête de Brique et Zigzag et Laker ont passé une bonne journée de mardi. Henri Save aussi. Doui, salut Bibiflo. Salut Redigno, BS Bluff, AXA Gaming, Goéland. Bonsoir à Charles Manson. Bonsoir, bonsoir à Juju Latrousse. Merci à tous ceux qui sont en train de remplir le train de la hype. Salut, salut à ceux qui s'installent, Lennon, notamment Pharanxet, Clake, Pinuvec, qui je vois, La Chasuble, Bernabix évidemment, Area Codes, boum, Get Vodka, Omar Dola. J'espère vraiment que vous serez là le jeudi 10. Hein. Je vous cache pas qu'on a envie de se faire un kiff. Salut Martin, évidemment, Jolivet, la base. Merci mon Didou pour le pack de subs, on va pouvoir commencer cette petite émission. Soyez là vraiment, Matouké France et compagnie, le jeudi 10, déjà pour vivre un grand moment ensemble, parce que c'est un grand moment de live, qu'il y a aussi beaucoup de travail fait avec Léonce en amont pour que le setup soit le plus cool possible. Soit il fait baisser un store pour qu'on fasse l'addition, ou ici il y a du café avec plein de setups, et donc on travaille dessus pour que jeudi prochain ce soit top, et que ce soit un événement aussi qui est marquant pour la planète NBA en France, sachez-le aussi, ce n'est pas rien lorsque vous êtes plusieurs milliers, forcément, ça permet à des gens de comprendre que le basket mérite son respect, put some respect on my goddamn name, et donc plus vous êtes nombreux, plus on rit, et plus forcément il y a des opportunités qui se présentent. On va pouvoir démarrer, je vous ai même mis un quiz, pour ceux qui veulent, tout à l'heure, on fera un gros quiz, j'ai prévu un truc assez drôle, voilà, attention à la loose. Allez, on va pouvoir commencer du coup. Pour ceux qui ne le savent pas, oh, il va falloir peut-être que je coupe la musique et que j'augmente le son sur une petite breaking news pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça vient de Monsieur Shams Charania. On va se mettre ça à fond dans les oreilles pour ceux qui ne sont pas au courant. Les participants du Dunk Contest apparemment ont été annoncés. Breaking news avec Shams Charania tout de suite. I'm Shams Charania here with breaking news presented by AT&T 5G. Multiple sources tell me the NBA's expected participants for the 2022 Slam Dunk Contest are Rockets rookie Jalen Green, Magic guard Cole Anthony, Warriors forward Juan Toscano-Anderson, for the second consecutive year, Knicks forward Obi Toppin. The four high flyers will participate on Saturday night in a couple weeks. Voilà pour les participants donc qui sont prévus. Je vous remets juste la gueule des quatre participants. Ils sont là. Voilà, ça fait les quatre. Breaking news et gros montage, tout à fait. Donc voilà les quatre participants. Moi, je pensais aussi que Gary Payton 2 allait être le représentant de nos amis de Golden State, avec tout le respect que j'ai pour Juan Toscano, qui a lâché quand même un poster énorme sur JaVale McGee. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la story, c'était une des belles rencontres, j'ai envie de dire, de cette saison. JaVale McGee qui s'est posterisé par Juan Toscano-Anderson. Juan Toscano-Anderson qui dit que c'était un des moments les plus importants de sa jeune carrière. JaVale McGee qui dit « Putain, c'est quand même un truc de ouf. » Si on se revoit, Juan Toscano-Anderson qui dit « Est-ce que tu pourras signer mon poster ?» Et JaVale McGee, en parfait coéquipier et camarade du même sport, a signé le poster de Juan Toscano-Anderson où il se fait justement posteriser. Donc bref, Obi Toppin, bon, ça là-dessus, on n'a pas trop de... C'est vrai que Kuminga aussi aurait pu être dans le petit Dunk Contest. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons bien Jalen Green, qui a quand même... qui aura une grosse hype, hein, parce qu'il a vraiment de la TNT dans les... Il a des fusées. Fusées et roquettes. Il a des fusées quand même dans les mollets, Jalen Green. Il y a Cole Anthony quand même qui fait le boulot. Bon. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de créativité. Et Juan Toscano-Anderson et Obi Toppin. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Ce qui est sûr, attention, parce que là je sens que ça va faire mal aux oreilles. Il faut peut-être que je baisse le son. 1, 2, 3, on va remettre la zic. Là, ça sera mieux, je pense. Voilà. Si vous voulez juste un détail. Là, à chaud, vous voteriez pour qui? Jalen Green? Je le fais à chaud, hein, parce qu'après, on aura tout le All-Star Weekend. On aura... le loisir de pouvoir revenir sur ses pronostics, de dire « Ah, je pense que ça va être lui. » Obi Toppin, Jalen Green, je rappelle qu'on est à Cleveland, donc il n'y a personne qui est favori. Pas de Ja Morant, non, qui sera plutôt attendu le dimanche, lui. Allez, on va partir sur Obi Toppin. Allez, ce bon Obi Toppin qui va faire le travail. Ouais, Obi Toppin. Ce sera le seul trophée des Knicks cette saison. Voilà. L'année dernière, il y en avait eu pas mal quand même.
Hein, avec Julius Randle, avec Tom Thibodeau, avec plein de garçons. Et on va partir sur Monsieur Obi-Toppin. Bref, c'est la grosse news de ce soir. C'est tombé tout à l'heure. En attendant, les participants au concours de 3 points qui devraient tomber dans quelques heures. Attention, il y a des faux comptes qui circulent en ce moment. Vous savez que c'est la période sur Twitter en ce moment où les gens créent des comptes juste pour faire chier. Donc voilà, faites attention. Notamment, il y a un faux compte de Shams Charania qui a dit que Talen Horton Tucker était un participant du concours à 3 points. Il y a des gens qui ont relayé sans même checker les stats. Hein. Talen Horton Tucker, il est à 2% à 3 points cette saison. Et les gens se disent, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un troll. Voilà, on verra s'il y aura du Luke Kennard et compagnie. Dans tous les cas, je rappelle qu'il y a un... Merci Naniki pour le petit sub. Clin d'œil et merci à toutes celles et ceux qui envoient des subs dans tous les sens. Je rappelle qu'il y a un moment très important ce jeudi. Et là, j'ai limite envie de couper le son parce que je pense que les gens ne sont pas prêts. Souvenez-vous ce qui s'est passé jeudi dernier. Annonce des titulaires pour le All-Star Game. Nous étions nombreux à remarquer que Andrew Wiggins était donc titulaire avec Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Ja Morant. En attendant de voir qui va remplacer Monsieur Kevin Durant chez les starters de la conférence S, Trae Young, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et DeMar DeRozan. Ce jeudi, si vous pensiez que jeudi dernier c'était le bordel, attendez ce jeudi. Ce jeudi, on a l'annonce des remplaçants du All-Star Game 2022 dont la sélection est faite par les coachs. Merci Club pour le sub. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir bien s'éclater la gueule parce que je rappelle que c'est un sacré bordel au niveau des participants et des joueurs qui peuvent être sélectionnés. Hein ? Par exemple, si je fais... qu'est-ce que j'avais fait ? C'était choisissez. J'avais fait comme ça. J'essaie de vous mettre juste sous les yeux ce que je... Je vais essayer de remplacer. Voilà, putain, j'ai bien fait les trucs, Bastien. Ça, c'est dans l'ordre. Ça, c'est quand on a des dossiers bien rangés. Putain. Conférence Est, on l'avait fait avec notamment mon cher Simon. Je vous laisse regarder, évidemment... Bon, il y a d'autres noms hein, qui sont en train d'effiler en dessous. Hein. Il y a Tyler Hero. Je vous laisse évidemment regarder les noms. Mais je rappelle qu'il faut prendre 7 garçons là-dedans. Deux gardes. 3 forwards, 2 wildcards. On en avait discuté avec Simon dans la dernière édition que vous pouvez aller checker en replay sur YouTube avec une masterclass en dessert sur les maillots retirés. Encore merci mon cher Simon pour ce petit bijou de divertissement et d'histoire. On avait eu un espèce de commun accord sur Zach LaVine, sur James Harden. On espérait avoir une réponse rapide sur Jimmy Butler ou Jason Tatum pour prendre la place de KD chez les forwards titulaires de ce All-Star Game. Après, c'est tout un débat. Darius Garland et Jarrett Allen ou Jarrett Allen, qu'en est-il de cette triade sur la ligne extérieure? LaMelo Ball, Darius Garland, James Harden, Zach LaVine, Bradley Beal. Je sais qu'il y en a qui se marrent, mais quand même, attention, attention. Est-ce qu'il y a du Kyle Kuzma? Merci Vilain Bouillou. Bref, dans la conférence Est, c'est un véritable bordel. C'est excessivement énervant, comme dirait l'autre. Et... évidemment, à l'ouest, le bordel est de la même ampleur, puisque nous avons... J'ai mis ces quelques noms, hein, m'en voulez pas, merci Cara et Babouche pour le sub. J'ai mis ces quelques noms, c'était vraiment en freestyle. Hein. On était d'accord, je crois, sur le fait que Chris Paul et Devin Booker devaient être des remplaçants les yeux fermés, que Rudy Gobert et qu'Anthony Towns allaient aussi être dans la danse, en attendant de voir ce qui se passe avec Draymond Green. Des nouvelles sont tombées concernant Draymond Green. Je ne sais pas si vous avez vu, il va être réévalué autour du All-Star Break, donc à mon avis, pas de All-Star Game pour Draymond Green. Il faudra compter sur d'autres joueurs. Il y en a déjà deux des Warriors, on se calme. Mais à voir s'il y a un petit push... pour Monsieur Dejounte Murray qui a fait des dingueries récemment, à voir s'il y a deux membres des Grizzlies avec Jaren Jackson Jr., à voir s'il y a Donovan Mitchell, très probablement, et potentiellement, eh oui, je sais que ça en a l'air certain, mais peut-être Anthony Davis avec un retour à point nommé. Voilà, donc ça fait partie des grosses prises de tête, et donc, sachez-le, ce jeudi, je vérifie là, le calendrier, excusez-moi, je me permets de regarder ça, parce qu'en même temps, c'est la joie du direct, ce jeudi. Oui. Jeudi soir, nous serons ensemble. Jeudi soir, je ferai un live comme la semaine dernière pour pouvoir vivre l'annonce des remplaçants ensemble. En gros, ça va être n'importe quoi. Je sens qu'il va y avoir du seum. Donc, rendez-vous évidemment ce jeudi soir. Juste pour prendre la température, là, pour les gens qui sont dans le chat ou ceux qui sont en replay, moi, je sens qu'il va y avoir une carotte pour une fanbase. Vous me dites, c'est laquelle ? Toronto ? Charlotte ? Toronto ou Charlotte ? Toronto ou Charlotte ? Qui va se prendre une carotte dans la conférence Est ? C'est Toronto ou c'est Charlotte ? Franchement.
Parce que moi, je pense que les deux ne passent pas. Il peut pas y avoir Harden, Lavine, Van Fleet, LaMelo, etc. C'est Charlotte ou c'est Toronto? C'est Toronto, c'est sûr. Je suis désolé pour les fans des Raptors. Moi, j'ai mis Van Fleet en All-Star. Mais en plus, il y a eu des histoires apparemment à NBA TV qui auraient leaké des trucs et tout. Genre comme quoi, c'est LaMelo, c'est sûr. Putain. Ouais, je pense que malheureusement, la hype de LaMelo Ball va l'emporter. Et peut-être que les coachs vont dire genre « Sorry. » Sorry Van Fleet. On verra dans tous les cas ce que ça va donner. Rendez-vous ce jeudi soir à minuit sur la chaîne Twitch de Trash Talk pour qu'on vive ces annonces. Ça va être n'importe quoi. On enchaîne justement au niveau des petites infos. Comme ça, après, on va pouvoir parler de trade deadline et faire un quiz ensemble. Kings down. LeBron devrait rater quelques matchs de plus. Certains ont vu l'information. On l'a relayé dans la journée. Il y a le genou qui fait encore des siennes. Donc, les Lakers ne vont pas prendre de risques. On rappelle que la priorité de nos amis de Los Angeles, c'est d'avoir un LeBron en pleine forme le 15 avril. J'avais parlé notamment du calendrier de nos amis les Lakers là sur les prochains jours, parce qu'on pourrait avoir 2 à 4 matchs loupés par LeBron, peut-être même jusqu'au All-Star Break, hein. je serais pas choqué, hein. Ça va, LeBron il a quand même bien charbonné, hein, on va pas se mentir, depuis le début de saison. Donc voilà, 37 ans selon le carnet de famille, hein. 37 ans selon la carte d'identité, parce qu'après en âge plutonien, je sais pas ce qu'il donne l'autre, mais 37 ans plus le kilométrage qu'il a, l'important c'est que LeBron soit prêt le 15 avril, donc on va recharger les piles. Je vais juste me permettre un petit truc. Est-ce qu'il y a des fans des Lakers sur ce chat? Ou même en replay? N'hésitez pas à vous manifester. Ouais, il y a des fans des Lakers. D'accord, alors je vais poser le clavier. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les Lakers ont, selon la plupart des observations faites autour de la NBA, le calendrier le plus difficile de toute la NBA sur la deuxième partie de saison. Voilà. Donc mouillez-vous la nuque, car j'aurai l'occasion de reparler de cette notion sur les prochaines semaines. Voici le menu. Donc déjà jusqu'au All-Star Break, ça va être très drôle. Bon, ça va, parce qu'en soi, t'affrontes deux fois Portland, donc c'est chouette. Mais un petit Utah, au moment où Rudy et Donovan reviennent. Tu vas jouer les Bucks, tu vas jouer les copains Clippers, tu vas à Golden State. Bon, ça, c'est avant le break, hein. Et puis, ce qui est agréable, une fois que tu sors de la pause, c'est qu'il n'y aura pas trop de déplacements relous, genre à Minnesota, à Cleveland. Que quand tu viens te reposer à la maison, c'est pour jouer les Sixers. Voilà. Avant de rejouer encore une fois Dallas ou d'accueillir Curry. On réserve le meilleur pour la fin, hein? On va... Pardon, excusez-moi. C'est pas que ça me fait rire, c'est pas contre... excusez-moi, je vais essayer de baisser la fenêtre pour que vous puissiez voir ce qui se passe tout en bas. Parce que je n'arrive pas à descendre... Voilà, Denver. Voilà. Hein? Ça, c'est le calendrier des Lakers pour finir. Donc Utah, Phoenix, deux fois Denver, Golden State, voilà, dans la course au play-in, c'est très très agréable. Excusez-moi, je bug totalement. Ah! Ah bah très bien! Attendez, mais c'est formidable! On va pouvoir suivre dans 50 minutes. J'ai l'impression qu'ils font le reveal des joueurs du Rising Stars. Incroyable. Bon, bah je vais essayer de rester un peu plus longtemps que prévu. Allez, c'est la fête. À 1h du matin, là, ça vient de tomber. On va pouvoir se faire les... Il y a l'annonce qui est faite sur TNT des joueurs qui vont participer à ce nouveau format, là. Vous savez, il y a plusieurs équipes. Donc, voilà. Peut-être que, du coup, je resterai un peu plus tard que 1h. Ouais, c'est à 1h. C'est à 1h. Bon, très bien. Du coup, bref, comme je le disais, on se recaptera pour ces histoires de Rising Star. Nous avons ce calendrier des Lakers, ce qui fait que LeBron va devoir pas mal se reposer. Là déjà, voilà, t'as combien? T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs avant le All-Star Break. Bon, on va donner un peu de repos à LeBron. On va pas non plus se faire chier. Voilà. Faut relancer aussi Anthony Davis qui a dit qu'il était en pleine forme, donc voilà, on va surveiller. Bon, après, faut qu'il fasse gaffe parce qu'il se blesse assez facilement. Je rappelle aussi au niveau du classement, lol, que nos amis les Lakers sont 9e aujourd'hui, qu'il y a un peu de pression, ça va, il y a de la marge derrière quand même. Il n'y a pas une marge de fou, mais il y a un peu de marge. C'est-à-dire que les Clippers sont dans le
dans le pare-brise, mais c'est pas non plus une dinguerie, hein. Il y a un écart avec les Mavs, vous voyez. Minnesota et les Clippers sont pas loin, mais d'ailleurs, attention, il y a Portland et San Antonio qui pourraient pousser, même New Orleans, même Sacramento. Voilà. Et sur cette bonne blague et cette belle tranche de rire, on va pouvoir passer à la trade deadline. Ça, c'était un petit peu pour les news. C'est parti du coup pour la trade deadline. Je fais le clap comme ça, ça me permettra de mettre les timers sur YouTube à 3h du matin. Trade deadline 2022. Je rappelle donc que jeudi prochain, nous serons ensemble pour vivre ce grand moment. Hein, une véritable communion de tous les transferts qui sont possibles et imaginables. Hashtag course à l'armement, hashtag domino. On va encore s'éclater. Et jusque-là, tous les jours, j'aurai l'occasion de vous faire des petits points. Allez, tous les jours, on va essayer. Je garantis rien, mais je serai beaucoup présent, que ce soit sur Twitter ou sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux, pour essayer de filer les dernières infos, dernières rumeurs qui peuvent tomber. Donc, on va pouvoir commencer. Ça a été balancé sur Twitter. J'utiliserai évidemment Twitter comme première plateforme. On va se lancer tout de suite avec ce que certains ont vu sur Monsieur Ben Simmons. Nous sommes à 9 jours, allez une dizaine, 9 jours de la trade deadline et au moment où je vous parle, un transfert de Ben Simmons semble désormais plus que improbable. Il y avait deux équipes qui étaient en lead sur le dossier, Atlanta et Sacramento, sauf miracle, il n'y aura pas de transfert. Pourquoi ? Parce que du côté de Sacramento, on a été très très clair, on va en reparler tout à l'heure. Pas d'inclusion de Tyrese Haliburton et de De'Aaron Fox, sauf si ça parle d'un transfert de Ben Simmons. Merci Albendo pour le sub. Voilà, on va suivre, mais on devrait rester sur un Ben Simmons qui ne bouge pas à la trade deadline. C'est triste, hein, peut-être pour certains, mais malheureusement, on voit que Sacramento n'a pas du tout envie là de faire un énorme blockbuster trade, ou en tout cas en priorité. On avait parlé du fait que c'était Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley, Tristan Thompson et peut-être Richon Holmes, dont on va reparler en priorité. Voilà, malheureusement, on pourrait avoir un statu quo pour Ben Simmons. Je vous invite notamment à aller voir le dernier article de Ramona Shelburne. Ramona Shelburne, vous allez notamment sur son compte, hein, sur Twitter. Je vais vous le mettre ci-dessous. Et vous avez un excellent article, dossier, qui a été écrit par ses soins et qui parle notamment de ce qui s'est dit récemment, hein, sur Ben Simmons et compagnie. Voilà, vous allez là-dessus, hein, Ramona Shelburne, magnifique. The Spectre of this Saga haunts Ben Simmons and the Philadelphia 76ers. Je parlais notamment de cette magnifique quote. Selon plusieurs sources proches de Ben Simmons, ce dernier est énervé d'avoir vu Embiid le blâmer pour la défaite des derniers playoffs, publiquement. Alors que Ben Simmons, lui, il a pas blâmé Embiid en fait pour sa faible série de gros faiblards de demi-finale face à Toronto 2019. Hashtag les larmes en bord du terrain, vous en souvenez lorsqu'il rentre dans le vestiaire. Je pense qu'on est d'accord, il ne va pas y avoir de retrouvailles entre Ben Simmons et Joel Embiid, hein, après ce genre de situation. Donc bon, je sais que certains, ça les a choqués, mais voilà où on est. Et oui, en effet, Joel Embiid était malade. On peut revenir sur tous les détails de cette série. Joel, en tout cas, avait été en sous-production. Et en effet, les Sixers s'étaient inclinés en 7 sur le fameux shoot de Kawhi. Du coup, sur le dossier Ben Simmons, puisqu'on fait tout le tour de Philadelphie, je rappelle que même si les Sixers ont des bons résultats, là ils sont sur plusieurs victoires consécutives, il y a même du match où Joel Embiid n'est pas là mais ça continue de gagner, hashtag compétitif sous Doc Rivers, eh bien le management de Philadelphie ne s'empêche pas de renifler les offres de transfert autour de Tobias Harris pour une raison qui est simple, on vous a suffisamment saoulé avec les rumeurs de James Harden. Je rappelle que James Harden pourrait être agent libre cet été, qu'il pourrait avoir une signature simple ou un sign and trade avec les Philadelphia 76ers et donc les Brooklyn Nets. Et pour s'assurer que tout soit en place, il doit y avoir de la marge financière disponible. C'est en cela que Tobias Harris pourrait être transféré. Ne soyez pas étonnés s'il y a des rumeurs un peu plus importantes sur les prochains jours autour de Tobias Harris. Ça fait partie du lot. C'est peut-être un des joueurs... C'est le joueur le mieux payé de Philly. Deuxième meilleur joueur payé de Philly. On va voir. Je vais revoir juste ce que ça donne. Sixers salaries. Je vais vous montrer pour que vous puissiez avoir tous les détails sous les yeux. Attention, ça pique. Ah oui, c'est le joueur le mieux payé. C'est bon, ça. Bon, comme vous voyez, Joel est bien verrouillé. Il y a ses 3 années de contrat pour Ben Simmons. Et sinon, Tobias Harris, voilà, c'est 40 millions dans 2 ans. Et c'est 36 millions cette saison. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on se pose des questions à Philadelphie et qu'il pourrait y avoir du transfert. Dans tous les cas, on l'avait vu avec Atlanta. Hein. Il y avait eu de la discussion. Je vous rappelle que les Hawks et les Sixers avaient été en discussion autour de Ben Simmons lorsque ça n'allait pas chez les Hawks.
et qu'au moment où ça se rapprochait de potentielles structures de transfert, Philly avait fait « Est-ce qu'on peut inclure Tobias Harris dans le deal ?» et Atlanta avait fait « Mange tes grands morts ?» Voilà, bonne continuation. On ne prendra pas le contrat de Tobias Harris. Bon, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Bref, sur ce dossier, on va se calmer. Ce qui n'empêche que M. Daryl Morey a leaké suffisamment d'informations à droite à gauche, soit en coulisses, soit en radio locale à Philadelphie. Et donc oui, la plupart des general managers de NBA s'accordent sur le fait que Daryl Morey ne bluffe absolument pas. Le rendez-vous, il est pris cet été pour mettre la pression sur le dossier de James Harden. Il ne lâchera pas Ben Simmons contre autre chose qu'une superstar. Le message, il n'a pas bougé d'un seul centimètre. On vous avait bordé avec ça depuis plusieurs semaines. Je préfère pareil prévenir les gens. Vous le savez, il y a des moments qui sont importants en direct sur Trash Talk, notamment là, la trade deadline. Mais je préfère être absolument clair et vous dire tout de suite que vous devez impérativement être présent le soir de la draft 2022. Déjà parce qu'en termes de base, c'est un événement de dingue, parce que c'est là qu'on reveal notamment évidemment les joueurs dans quelle franchise ils vont. C'est une nuit qui est, c'est une cérémonie qui est sacrée. Mais alors, merci Jomo pour le sub. Mais alors franchement, deux têtes, hein. James Harden, Ben Simmons, Jaylen Brown, Bradley Beal, Damian Lillard, top of the head. Les 5 qui vont être mentionnés fin juin, c'est sûr. Et on sera à quelques jours de la free agency, ça va être n'importe quoi. Donc soyez là, évidemment, pour cette grande soirée. On y seront, c'est parfait. Voilà, il pourrait y avoir plein de changements, plein de trades, ça va être une dinguerie. Bref, sur Daryl Morey et James Harden, on sait que c'est la grosse rumeur. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Mais Ben Simmons devrait garder en tout cas un maillot des Sixers lors des 10 prochains jours et au-delà du 10 février. En parlant aussi de compte à rebours, et alors celle-là, je sais qu'elle a fait mal. À Washington, j'ai essayé de pas mal gratter à droite à gauche ce qu'on pouvait avoir comme information au moment, je dis bien au moment où on parle, au moment où nous discutons, où nous discutâmes. Si vous êtes en train de vous réveiller avec le café ou que vous faites la vaisselle, posez évidemment tout ça et concentrez-vous. Je vais faire de l'ASMR. Nous sommes à 8 jours de la trade deadline et les Wizards et Bradley Beal semblent d'accord sur la chose suivante. On va se donner rendez-vous au 1er juillet pour signer une prolongation de 250 millions de dollars sur 5 ans. Je répète, une prolongation de 250 millions de dollars sur 5 ans. Voilà, à l'occasion de bien pouvoir se régaler. Je sais que ça fait mal à beaucoup de gens, mais, donnons tous les éléments sur cette équipe de Washington. Vous allez voir que dans les prochains tweets, notamment, j'ai apporté de l'additionnel un petit peu sur le dossier. C'est très compliqué. Et alors, en 280 caractères, c'est une galère. Donc, je vais essayer de faire ça en short. Et comme dit mon cher Simon, ça fait mal. 250 millions de dollars, ça fait mal. Une prolongation de contrat ne veut pas forcément dire un amour ad vitam aeternam et une relation intouchable pendant 5 ans. L'idée, comme je l'ai mis ici, c'est que les deux camps ne savent pas encore combien de temps l'union entre Bradley Beal et les Wizards va durer. Il y a deux choses qui sont sûres. La première, du côté de... 250 millions, c'est pas assez, joli troll des Suns. La première, c'est que Bradley Beal souhaite son contrat. L'agent de Bradley Beal et Bradley Beal ont fait savoir aux Wizards, comme je vous l'ai déjà dit, la chose suivante, si Bradley Beal n'a pas sur la table autre chose qu'un petit contrat de 250 millions de dollars sur 5 ans, ça part. Ça part. C'est-à-dire qu'après, Bradley Beal, il est agent libre et ça dégage. Ça sert à rien de discuter. C'est-à-dire que pour lui, il mérite un contrat max, il a envie de se mettre giga bien, c'est la seule fois qu'il pourra dans sa carrière avoir un contrat aussi gigantesque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est son choix. Donc ça, c'est du côté de Bradley Beal. Donc lui, il dit, tu sais quoi ? Pour le moment, ça sert à rien de demander un transfert, je suis bien à Washington et je fais profil bas jusqu'à me pointer le 1er juillet. Et Bradley Beal, on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut trouver ça excessif. Il est en train d'aligner tous les pions. Merci Lewis pour le petit sub. Il est en train d'aligner tous les pions pour avoir son contrat. Du côté de Washington, et c'est là qu'il faut avoir le côté management en tête, c'est que si vous êtes les Wizards, vous n'avez pas envie que Bradley Beal, il parte contre rien. Donc vous avez envie forcément d'avoir ce qu'on appelle son contrat. Combien de fois on devra le répéter qu'il faut avoir ces contrats pour ensuite les transférer. Alors il y a des contrats qui sont intransférables, salut John Wall de Washington, on retombe très vite sur nos pattes avec les Wizards, mais vous avez aussi la possibilité que Bradley Beal ait son contrat, que les Wizards
soit en possession justement de son deal sur 5 ans, et disent par la suite, eh bien très bien, on va le transférer. Si Bradley Beal par exemple au bout d'un an il dit je souhaite partir, eh bien ça part. Demandez au Thunder par exemple, regardez le Thunder ce qui s'est passé. Détresse totale lorsque un an après la signature du contrat de Paul George voit Kawhi Leonard signer aux Clippers, s'entend avec lui et dit au Thunder transférez-moi aux Clippers. Bon, à ce moment-là la panique, mais le Thunder si tu demandes à Sam Presti, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont récupéré Shai Gilgeous-Alexander et ils ont des pics de draft jusqu'à ma descendance qui a sa propre descendance. Donc l'idée, c'est d'avoir la possession de ce contrat. C'est pour ça que ça peut être assez compliqué à comprendre pour certains qui vont voir genre « Ah, 250 millions de dollars sur 5 ans, OMG », mais ça arrange les deux camps. Et ça ne veut pas dire qu'ils s'adorent, parce que souvent, quand on a des prolongations de contrat à cette hauteur, ça veut dire qu'on se retrouve dans des grandes relations d'amour. Mais non, ça pourrait juste être un transfert. Ça a été pareil avec Anthony Davis et les Pelicans, on suivra tout ça. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si Bradley Beal du coup ne bouge pas le 10 février et qu'il reprend un gros chèque à partir du 1er juillet. Ce qui ne veut pas dire que tout va bien à Washington. C'est le bordel. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Il a été rapporté récemment que plusieurs joueurs des Wizards se plaignent de ne pas avoir de rôle spécifique dans l'équipe. Kyle Kuzma s'est exprimé publiquement là-dessus. D'autres joueurs se sont exprimés un peu plus en interne. Daniel Gafford notamment sur sa titularisation ou non-titularisation. Le retour de Thomas Bryant, ça crée forcément des bouchons. Vous avez Thomas Bryant, Daniel Gafford, Montrezl Harrell. Combien de pivots on va garder sachant que tous veulent avoir leur temps de jeu. Kyle Kuzma, Rui Hachimura, Deni Avdija. Ils jouent tous sur le même poste, comment leur donner le même temps de jeu? Il doit y avoir forcément du nettoyage. On ne peut pas avoir pour Weston Snell Jr. autant de joueurs qui demandent le même temps de jeu. Et c'est en ça que Tommy Shepard, à la direction de Washington, devrait nous réserver des surprises. Soit là le 10 février, soit le soir de la prochaine draft, lorsque les transferts seront à nouveau disponibles autour de fin mai, début juin. Donc, il faudra vraiment regarder ce que ça va donner du côté de Washington. Et c'est en ça que, comme je le disais, il y a des mouvements majeurs incoming, motherfuckers, et qu'on a cette phrase qui a commencé à leaker gentiment du côté de Washington. On peut y ajouter Kyle Kuzma, mais surtout, il faut entourer Bradley Beal. Tous les joueurs de DC sont discutables. C'est discutable. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent se débarrasser de tous, mais juste, si vous les mettez dans des discussions, Tommy Shepard ne raccrochera pas. Voilà, vous pouvez même l'appeler si vous voulez, lui dire contre votre tante ou votre oncle. C'est à l'écoute. Et donc, du coup, les noms qui sont le plus mentionnés, c'est Spencer Dinwiddie et Montrezl Harrell. En ce moment, hein, je parle. Mais évidemment, par les jours passés, ceux qui suivent Aller Café avec attention, j'avais parlé notamment de Rui Hachimura, qui était dans les discussions. On avait eu d'autres garçons aussi qui avaient été mentionnés. Et la cible numéro 1 de Washington serait Domantas Sabonis. Essayer de mettre en place un trade afin que Monsieur Domas vienne épauler Bradley Beal. Ça ne fera pas du tout d'embouteillage sur pick and pop, c'est ça qui est agréable. Donc voilà. Suivons Washington. Washington fait partie, je vais parler après des Pelicans, Washington fait partie des équipes les plus agressives. On avait parlé de Sacramento à Atlanta qui était hyper agressif, ça s'est calmé. Notamment du côté d'Atlanta, Sacramento est sur d'autres dossiers, on va en reparler. Voilà, magnifique. Les Wiz ne tankent pas, ils bussent. Magnifique, mon cher Simon, tout à fait. Ils autocarrent, ENT. Ce sera à surveiller. Est-ce que vous aimeriez, vous, le fit Bradley Beal de Domantas Sabonis? Ou est-ce que vous pensez que c'est un petit peu... on essaie de boucher les trous avec du PQ mouillé? Bradley Beal et Domantas? Il y a un bout de potentiel. Ouais, ça peut être sympa. Mais voilà, putain, défensivement... Peut-être faire Daniel Gafford, Domantas Sabonis, Bradley Beal. Bon, pourquoi pas. Mais en effet, il faudra faire gaffe à la défense. Il faudrait qu'il lâche Rui Hachimura et du pic. Rui Hachimura, Montrezl Harrell, du pic et un dernier gamin. Ah, ils vont pas lâcher Kispert quand même tout de suite. Ou peut-être Kispert, hein. Je rappelle que le deal qui est demandé par les Pacers pour Domantas Sabonis, c'est un package à la Vucevic. Ce qui s'était passé avec Orlando l'année dernière, c'est-à-dire Wendell Carter Jr., un très haut pic de draft. Orlando qui a récupéré Franz Wagner, si je ne dis pas de bêtises, à la draft. Et du salary filler, hein, c'est-à-dire des joueurs qui vont remplir les salaires type Montrezl Harrell.
Donc voilà. À surveiller dans tous les cas, nos amis les Wizards. Nous enchaînâmes du côté de Détroit et Sacramento. Vous le savez, le dossier Jeremy Grant est un des dossiers les plus bouillants. Plus d'une dizaine d'équipes sont intéressées par Jeremy Grant. Détroit continue à faire monter les offres. On attend un jackpot le 10 février. Ce qui est sûr, c'est qu'Atlanta, qui était chaud sur le dossier, s'est retiré, que Dallas est toujours dans les discussions et Sacramento semble avoir accéléré ses discussions. Pourquoi ? Parce que dans l'ordre, évidemment, des priorités chez nos amis les Kings, je l'ai dit, hein, s'il n'y a pas de Ben Simmons de disponible, il n'y a pas de Tyrese Haliburton et De'Aaron Fox mis dans un package. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que pour un joueur de second rideau type Jeremy Grant, il pourrait y avoir du Buddy Hield, du Marvin Bagley, du Harrison Barnes, du Richon Holmes, du Tristan Thompson, etc. Donc, il faudra vérifier dans les prochains jours si Sacramento ne met pas la pression tout terrain sur les Pistons afin de faire la meilleure offre possible à Détroit et qu'elle l'accepte. Difficile de croire que les Pistons ne vont pas jouer l'horloge. Vraiment, hein, le plus probable, c'est que Troy Weaver, dirigeant des Pistons, nous fasse jouer l'horloge jusqu'au bout. Donc ça veut dire jusqu'à jeudi prochain, le jeudi 10 février, avec un deal au buzzer à 21h. Voilà. Et on sera là genre « Oh shit !» avec les notifications. Donc ça, c'est juste pour nos amis de 3 Sacramento. Salut Bastien, merci d'être présent la nuit. Je suis développeur informatique freelance et je suis au bout du rouleau. Merci pour ta présence. Je ne sais pas où j'en serais sans toi et l'équipe Trash Talk. Mec, le mijoteur, je t'envoie toute ma force. Putain, tiens bon, on a un café. À tous les gens qui ont besoin d'énergie, on se transmet ça, d'accord? Que vous bossiez de nuit ou de jour. On est là, on s'envoie de la tété love, on s'envoie de la force. Je me suis défoncé l'épaule à cause de ce putain de vaccin. Désolé. Ah, dans tous les cas, on est ensemble. Waouh. Nique sa mère, pardon, excusez-moi, flûte. Allez, on enchaîne. Du côté de Dallas. Allez, on tient bon, comme les Mavericks dans le top 6 de la conférence Ouest. Jalen Brunson ne sera apparemment pas transféré à la trade deadline. On en a fait un gros dossier détaillé sur le site de Trash Talk, qui est pas mal du tout, si vous voulez aller le consulter. Dallas est assez confiant actuellement dans sa capacité à le prolonger cet été. Vous pouvez aller consulter, notamment, ceux qui le souhaitent, les 20 dernières minutes, 30 dernières minutes du dernier podcast de Zach Lowe avec Monsieur McMahon, dans lequel ils reviennent en détail sur la situation des Mavs. Je citerai nos chers amis de Dallas. Il faudrait une offre de type « What the fuck is this ?» pour que Jalen Brunson soit transféré. Dans l'ordre, Jalen Brunson, il va avoir un gros contrat parce que c'est un joueur qui n'est pas du tout un lottery pick. Hein, il est sorti de Villanova, c'était un garçon qui était un peu sous-estimé, coéquipier notamment de Dante DiVincenzo, Maurice Spellman et Mikal Bridges, hein, champion NCAA. Il a envie d'avoir son gros contrat. Il n'aura pas forcément l'occasion dans sa vie d'avoir plusieurs fois sur sa table un contrat à hauteur de Fred Van Fleet, c'est-à-dire 70 à 85 millions de dollars. Cet été, c'est fort probable. Ensuite, s'il pouvait, il resterait à Dallas. Donc, il aimerait vraiment que Dallas lui propose ce type de deal. Et spoiler, Dallas, je pense qu'ils vont lui proposer un truc de la sorte parce qu'en termes de playmaking, ils n'auront pas notamment super mieux sur la Free Agency 2022. Et si c'est possible en plus, que Dallas soit bien compétitif. Donc, on va surveiller les playoffs 2022 qui sont hyper déterminants pour les Mavs. Je rappelle qu'ils ont perdu les deux derniers playoffs au premier tour face aux Clippers. Donc l'idée, ce sera quand même d'éviter d'affronter les Clippers. C'est assez bien parti. Et qu'ensuite, Luka Magic, Porzingis, Jason Kidd, Jalen Brunson, etc. fassent le boulot pour que Brunson se dise « Yes, c'est ici que je dois rester. Je prends les 80 millions. Dallas, on est content. Et on reste. » Je pense qu'il n'y aura pas de transfert de Jalen Brunson. Ça a l'air assez bien parti. Par contre, il faudra juste surveiller l'histoire de Dorian Finney-Smith parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. C'est plutôt sur 4 ans. Hein. Je vois que certains posent la question. On serait plus sur 80 millions de dollars sur 4 ans pour Jalen Brunson. Et là, Dorian Finney-Smith, ce qu'il peut prendre actuellement, c'est un peu plus de 50 millions de dollars. Je crois que c'est 52 millions de dollars sur 4 ans à Dallas. Et cet été, ça pourrait augmenter avec les Mavs, mais aussi avec d'autres franchises. Donc, on sait qu'il y a plusieurs profils qui ressemblent à celui de Dorian Finney-Smith. Est-ce que c'est celui-là qui va être conservé ? Ah, alors qu'on me signale que Bradley Beal sera réévalué dans une semaine suite à son histoire de poignet. En tout cas, son poignet, ça l'empêchera pas de signer le contrat de cet été. Pardon. Trop tôt. Dorian Finney-Smith, dans tous les cas, on va voir si cet été, il sera conservé. Mais la grande question, et je vous la pose, que vous soyez en direct, fan de Dallas, simple observateur ou en replay, la vraie interrogation autour de Dallas en ce moment, c'est Luka Doncic, contrat max.
Kristaps Porzingis, contrat max. Tim Hardaway Jr., bon contrat. Jalen Brunson, gros contrat. Dorian Finney-Smith, gros contrat. Maxi Kleber, pareil. Est-ce qu'avec cette équipe, tu vas atteindre la taxe? Donc t'es déjà au max salarial et tu peux te dire que t'es prétendant au titre? Ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu compliqué. C'est que si vous êtes avec cette équipe, en gros, Dallas, s'il garde et Jalen Brunson et Dorian Finney-Smith, c'est une équipe qui atteint tout de suite son plafond salarial, avec en base Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber et compagnie. Je suis pas certain. Voilà. Je pense que Phoenix et Golden State à côté, ils regardent et ils disent « Ok, vous êtes mignons. » Voilà, on va pouvoir discuter ensemble. Et c'est ça qui fait qu'il y a peut-être un des deux qui va sauter. Je pense que ce sera plus Dorian Finney-Smith que Jalen Brunson, mais c'est à surveiller. On continue le petit tour, minuit 40, il me reste 20 minutes avant de passer notamment au reveal des joueurs du Rising Star. Les Raptors sont très confiants, Masai Ujiri en tête, du fait que Goran Dragic sera transféré d'ici le février. Le problème c'est que c'est qui va faire une vraie offre. Toronto tient absolument à avoir une contrepartie. Je rappelle que Goran Dragic faisait partie du sign and trade pour Kyle Lowry cet été. Donc voilà, on sait qu'il y a aussi du Precious Achiuwa qui était dans le deal. Toronto ne va pas laisser partir Goran Dragic contre Peanuts. On sait que Dallas prie absolument pour un buyout. Et les Mavs et Dragic veulent une réunion. Les Mavs parce qu'ils veulent du playmaking supplémentaire. Dragic parce qu'il peut jouer avec son poteau Luka Doncic de la sélection nationale slovène. Du coup, en ce moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Dragic qui traîne à Miami. En ce moment, vous pouvez le voir, à chaque fois qu'il y a un match du Heat, il y a des photos de Goran Dragic dans les premiers rangs. Qu'il fait ses workouts gentiment du côté de Sud Plage. Et Masai Ujiri est au four et au moulin. Voilà. Donc, je ne sais pas qui va oser prendre Goran Dragic. En plus, c'est pourquoi ? C'est pour faire un buyout tout de suite, c'est pour faire de la place. Ce sont peut-être des équipes qui ont juste envie de faire de la place dans leur salary cap. Je ne sais pas trop. Je vous avoue que, bon, ce sera peut-être du second tour de draft, hein, peut-être pour Goran Dragic. Un peu comme Evan. Ce que vous avez vu avec Orlando. Peut-être que Orlando, quand ils se sont séparés d'Evan Fournier, ils ont pris juste deux second tours de draft. Et ils ont fait désolé Evan, va à Boston. Et après barre-toi, ce qui s'est passé. Et peut-être que Toronto devra juste récupérer du second tour de draft. Ce serait déjà très bien. Hein. Je vous cache pas que c'est pas non plus la folie. Je vois qu'il y a des questions. Oui, il y aura un quiz et je fais pas encore de Q&A. Hein, parce que je dois continuer sur les infos. Donc ça c'est pour Goran. Info intéressante pour nos fans des Celtics. on a eu un transfert de Cam Reddish du côté de New York récemment, vous le savez, hein, avec Kevin Knox. On attend toujours d'ailleurs qu'il y ait du temps de jeu pour Cam Reddish, je vais en reparler. Ce qui est sûr, c'est qu'avant ça, avant qu'il y ait ce transfert officiel, eh bien Atlanta était en discussion assez avancée avec Boston sur les bases d'un transfert Kevin Werther, Marcus Smart. J'avais parlé de Marcus Smart récemment dans le fait qu'il y a des équipes comme Utah qui sont très intéressées par ses services, Atlanta aussi, pour apporter de la défense hein, et du hustle. Les discussions depuis, elles ont coulé, c'est sûr. Mais Brad Stevens, il reste sur la même directive, c'est mieux entouré Jaylen Brown, Jason Tatum, Robert Williams. Donc on a toujours Dennis Schroeder, Al Horford, Aaron Nesmith, Josh Richardson qui sont disponibles dans les discussions. Que Marcus Smart, s'il représente une des pièces d'un plus gros transfert, il pourra être intégré. Mais pour le moment, ça ne bouge pas. Je rappelle que Marcus Smart fait partie des joueurs préférés de Brad Stevens. Donc il faudra qu'il soit transféré contre Jordan 96, LeBron 2016 et Hakeem Olajuwon 95 contre Marcus Smart. Hein, vu la tendance à Boston. Donc voilà, on va surveiller. On va surveiller. Et du côté d'Atlanta, je sais que la plupart n'ont rien à foutre, mais je le signale quand même. Il y a eu un changement aussi au niveau du 5 majeur d'Atlanta. Kevin Werther est désormais titulaire. Bogdan Bogdanovic est en sortie de banc, ce qui devrait changer pas mal de choses. Et donc Kevin Werther notamment resté après la deadline quand même à Atlanta. On se retrouve tout cet été pour un gros blockbuster trade avec les Hawks. Vous savez quand je vous parlais de Jalen Brown, etc. Ouais. Très bon. Deux équipes qui sont en train de jouer des coudes en ce moment pour tenter de récupérer Eric Gordon, le vétéran des Rockets. Ce sont les Cavs et les Grizzlies. Deux équipes jeunes hein, qui font partie de la hype de cette saison, hein, les Cavs et les Grizzlies. Présents dans le top 6 de leur conférence, on essaye de jouer des coudes avec l'élite de leur conférence. Houston continue à faire monter les enchères hein, parce qu'Eric Gordon est sous contrat, qu'il peut apporter du spacing, du shoot à 3 points, un peu de création, de l'expérience. Les Cavs et les Grizzlies seraient très contents de pouvoir ajouter ce genre de joueur. On sait qu'il y a aussi du Caris LeVert qui fait partie forcément des rumeurs. Mais voilà, si je vous demandais à vous,
Cavs ou Grizzlies, vous pensez Cavs, Grizzlies ou Rockets? Où sera Eric Gordon dans 10 jours? Ou Lakers peut-être? Je vois qu'il y en a qui mettent Bucks. Aux Bulls, waouh, faudra lâcher hein, en contrepartie. Hein. Aux Suns, c'est vrai que les Suns font partie forcément des équipes intéressées. À voir si leur package séduira davantage celui de Cleveland ou de Memphis. C'est vrai que les Suns sont la discussion. Ouais, j'avais oublié de les mettre. De toute façon, on va en reparler dans les tweets suivants. Allez, on va dire en tout cas que ce sera pile ou face et qu'il va y avoir une vraie bataille entre les Cavs et les Grizzlies. On rappelle que Caris LeVert fait toujours partie des priorités pour les Cavs pour essayer de renforcer le backcourt de Darius Garland. Je parlais des Knicks à l'instant. Oui, pour ceux qui se posaient la question, il y a en effet eu des petites observations faites de droite et de gauche pour savoir qu'est-ce que ça coûtait de récupérer un Kemba Walker ou potentiellement juste Evan Fournier. Ça ne veut pas dire que les Knicks marchandent activement ces deux joueurs. Ça veut dire simplement qu'il y a eu un transfert qui a été réalisé récemment, celui de Cam Reddish, et que pour le moment, il y a des embouteillages dans la rotation. Il y a du Quentin Grimes, il y a du Emmanuel Quickly, il y a du Kemba Walker, du Evan Fournier, il y a d'autres garçons qui peuvent contribuer. Comment ça se passe avec Tom Thibodeau et avec le backcourt de New York, RJ Barrett évidemment qui est là aussi, donc voilà, ça fait beaucoup de monde et il faudra surveiller. Moi j'avais parlé il y a une dizaine de jours, pour ceux qui s'en souviennent, de Kemba Walker qui pour moi est quasi assuré dans un transfert d'ici 10 jours. Je serais assez choqué que Kemba Walker soit encore au Knicks dans une dizaine de jours, donc voilà, je dirais que c'est à surveiller de très très près. T'as pas lâché un premier tour de draft aux Hawks pour que Cam Reddish croupisse sur le banc. Hein, voilà. Il l'a dit, il voulait des opportunités, ils ont besoin de talent. Donc, on va pas attendre plus longtemps du côté de New York. Je parlais de nos amis des Kings tout à l'heure. Je le remets sur la table. Plein d'exécutifs qui pensent que l'annonce qui a été faite il y a une dizaine de jours sur De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton qui sont intouchables. Ouais, on veut bien voir. Le commun accord, il est actuel dans les coulisses de la NBA. Ces deux joueurs, ils seront très clairement disponibles si Philadelphie réouvre des portes autour de Ben Simmons. Maintenant, si les portes elles sont fermées, il n'y a absolument aucune inclusion ni de De'Aaron Fox ni de Tyrese Haliburton dans le moindre transfert. Pas d'offres les incluant pour Jeremy Grant. Pas d'offres les incluant concernant Domantas Sabonis. Pareil pour tout autre type de joueur, comme Tobias Harris et compagnie. La prio de Sacramento reste celle dont on a discuté depuis longtemps. Harrison Barnes, Richon Holmes, Buddy Hield, Marvin Bagley. On se retrouvera cet été, très certainement, pour voir à Sacramento s'ils ont envie de garder ce duo sur le backcourt. On a vu l'énorme match de Tyrese Haliburton à Philadelphie. Moi, vous savez ce que je pense du prince de Californie. Et voilà, on surveillera, mais je ne pense pas qu'il y aura de transfert. Ils ont l'air assez sérieux, les Kings, là-dessus. Je sais que cette phrase fait rire, mais les Kings ont l'air assez sérieux là-dessus. Je continue mon petit tour, minute 48, comme ça après on fera le quiz. Nos amis les Suns, une petite dédicace à nos copains de l'Arizona, puisqu'ils sont sur le toit de la NBA actuellement, hein, ça joue extrêmement bien, Devin Booker est en forme, Chris Paul est injouable dans le dernier quart-temps, les Suns continuent d'observer le marché des arrière-scoreurs en sortie de banc. On a eu notamment Landry Shamet, si je ne dis pas de bêtises, qui a dû s'absenter un petit peu, il y a Justin Jackson qui revient sur un essai de quelques jours, mais en plus sérieux que notre ami Justin Jackson, avec tout le respect qu'on a pour la capacité des Suns à bien intégrer les joueurs, on l'a vu avec notamment Bismack Biyombo récemment, il y aura des jumelles placées sur le marché des arrières, soit sur le buyout, soit sur la trade deadline. On avait parlé notamment d'Eric Gordon, on voulait voir s'il y avait d'autres garçons comme potentiellement Caris LeVert, comme d'autres joueurs qui pourraient intégrer la rotation de Phoenix. La question, je l'avais posée très clairement à Alex et notamment aux fans des Suns, rarement ou peut-être jamais dans l'histoire de Phoenix, ils ont été dans une aussi grande position d'être champion. C'est la meilleure équipe de NBA cette saison, point barre. Tu dois faire maintenant les ajustements nécessaires pour que tout soit calibré le 15 avril. C'est maintenant, on y est. On ne sait pas ce que donnera la cuisse de Chris Paul dans un an. On ne sait pas ce que donnera le reste de l'effectif dans un an. Il y aura toujours des modifications à faire. Là, la dynamique, elle est claire, on y va. Donc, il doit y avoir des options. Option pivot, Bismack. Option sur les ailes, pas de problème. Je sais qu'il n'y a aucun respect pour Justin Jackson, mon cher Suns FR, mais bon,
on va surveiller tout ça. Moi, je pense qu'il y a évidemment une confiance aveugle envers James Jones, hein, à la direction de Phoenix. Mais je serais très, très, très rassuré pour vous s'il y avait cette espèce de petit ajout supplémentaire. Parce que Landry Shamet, j'aime bien, hein, évidemment, avec Campaign, c'est très drôle. Mais ce serait bien d'avoir un petit ajout supplémentaire. Le petit truc dont on a parlé sur les dernières trade deadlines, avec peut-être pas à la hauteur des Mark Gasol et PJ Tucker, hein, parce que ça modifie le 5 majeur. Là, on est plus sur un ajout supplémentaire en sortie de banc. S'il y a une blessure, t'as ce gars-là qui te fait gagner un match de playoff. Je pense que ce serait vraiment la priorité et ça consoliderait vraiment les Suns en tant que favoris de la conférence Ouest, no disrespect envers les Warriors, le Jazz et compagnie. Voilà pour nos amis de Phoenix. Il me reste 3 news. Allez, en speed, celle-là, elle est importante quand même. Oui, tout à fait. Il a caché ses cartes l'autre jour, Monsieur James Jones. Bon, après, il est excellent joueur de poker. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Les moves, d'ailleurs, sont faits assez discrètement et soigneusement du côté de Phoenix. Donc, on va surveiller. Mais il y a une certaine logique avec notre ami Jones, des Suns. Les Pelicans. Je parlais tout à l'heure des Wizards. Les Pelicans sont une des équipes qui ont l'air d'être les plus agressives sur ces derniers jours, en amont de la trade deadline, dans une dizaine de jours. New Orleans commence à accélérer ses conversations. Il y a une cible qui est rentré dans le viseur de nos amis de Louisiane, c'est CJ McCollum. Il y a beaucoup d'équipes qui demandent si Josh Hart est disponible. Il y a toujours cette base, Jackson Hayes et Thomas Satoransky, qui est dans n'importe quel potentiel trade. À voir si les Pelicans pourraient lâcher Josh Hart. Il fait une excellente saison. Il est tellement important sur et en dehors de terrain, mais c'est peut-être avec ce genre de pièces que tu peux aller chercher un joueur de talent. Il y a plein d'interrogations à New Orleans. Brandon Ingram, Zion Williamson, comment entourer ces garçons? Est-ce que tu peux avoir un trade là qui est fait pour avoir un joueur fort supplémentaire? Parce que si tu te retrouves dans quelques semaines... Ah! Sympa pour les Suns! Adrien Wojnarowski qui nous indique à l'instant que DeAndre Ayton va s'échauffer ce soir pour essayer de jouer face aux Nets. Cool! Voilà, des bonnes nouvelles en direct. Ça c'est bon ça. Et en effet, on aura des réévaluations sur Bradley Beal pour les prochaines semaines parce qu'il va louper les 4 prochains matchs. Ok. Désolé, j'ai pas fait de. J'allais pas cliquer sur Breaking News. Hein. Je sais que vous aimez bien ce bouton, mais je vais pas le faire. Quand même, ça va vous péter les oreilles, etc. Donc bref, comme je le disais, notre ami CJ McCollum intéresserait les Pelicans. Et on sait que les Blazers ont aussi envie de faire pas mal de mouvements. Je vais en reparler là dans la fin de l'émission. Voilà, c'est à surveiller. Les Pels pourraient être très agressifs. Josh Hart fait partie des joueurs très intéressants sur cette trade deadline. À voir ce qu'ils vont faire. Peut-être, tu peux te retrouver avec Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum, Jonas Valanciunas, Devante Graham. Je dis pas que c'est le plus gros spacing de l'histoire de l'humanité. D'accord? Mais moi, je veux bien voir ce que ce quintet il donne en forme. D'accord? Valanciunas, Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum, rien déjà là de base, moi j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Peut-être qu'il faudra lâcher des piécettes. On termine avec nos amis les Blazers. Portland. Et en effet, en termes de défense, il n'y a pas de souci puisqu'il y aura monsieur Herb Jones qui sera là. Du côté de Portland, on a freiné gentiment les envies de transférer Yusuf Nurkic. Il faisait partie des rumeurs début janvier. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en forme, qu'il joue comme Shaq en ce moment. Et je pèse mes mots, il est vraiment en grande forme. Pas mal de bruits qui sont sortis de Portland sur la logique suivante. Les Blazers réalisent qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'upgrade au poste de pivot cet été. C'est pas comme s'ils pouvaient lâcher Nurkic et se dire « Ouais, on va avoir nettement mieux ». C'est vrai. Je tire cette logique a du sens. Yusuf Nurkic, si tu le transfères maintenant, c'est pour avoir quoi cet été? Tu peux pas avoir Miles Turner, sauf dans un transfert. Et Yusuf Nurkic, il se situe où dans la hiérarchie des meilleurs pivots? On est d'accord, je pense que c'est pas un pivot titulaire d'une équipe championne NBA, mais à Portland, on se demande si on devrait pas le conserver. C'est pour ça que, entre le fait qu'il veut rester à Portland avec Lillard, qu'il a retrouvé sa forme physique, et qu'il n'y a pas de véritable upgrade disponible au poste de pivot cet été, eh bien on pourrait avoir un petit Yusuf Nurkic qui passe le 10 février au calme. Voilà. Par contre, il y en a un pour qui ça va être un petit peu plus agité, j'en parlais tout à l'heure, c'est Robert Covington. Qui est le joueur qui a le plus de chances de Portland d'être transféré dans les 10 prochains jours? Il y a énormément d'équipes intéressées, profil classique, hein. Vétéran, shoot à 3 points, défense, capacité à s'intégrer dans n'importe quel vestiaire en un claquement de doigts. Voilà, Portland fait monter les enchères en ce moment, et il y a toujours cette oreille tendue vers des packages plus importants, incluant notamment CJ McCollum, j'en parlais à l'instant avec les Pelicans, ou Norman Powell, ou Larry Nance Jr.
J'ai même entendu parler du fait que Portland pouvait totalement jouer la montre. Non, pardon. Elle est facile. Excusez-moi. que Portland pouvait peut-être gagner du temps, on va dire. Et essayer de voir s'ils font pas un petit peu une espèce de Golden State ou Toronto récemment, c'est-à-dire une année où ça se passe pas très très bien. Tu récupères un haut pic de draft et tous les joueurs vétérans reviennent. Toronto a fait ça, ils ont récupéré Scottie Barnes. Et là, ils ont Van Fleet, Siakam et compagnie qui jouent bien avec Anunoby. Et Golden State, ils sont bien contents d'avoir et Clay, et Draymond, et Steph. Et en plus de ça, ils ont Moses Moody et Jonathan Kuminga. Donc voilà, on va voir s'ils jouent la montre. Lol, sans forcer. Et je termine enfin avec nos amis de Utah. Parce que comme vous le savez, le silence est assez pesant à Utah en ce moment. Il y a des défaites qui s'accumulent. Ils viennent d'annoncer que Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne se sont pas entraînés là aujourd'hui. Donc ils ne sont pas prêts de revenir. Que Quinn Snyder, je crois, a le Covid. Ou en tout cas, a les protocoles Covid. Donc il ne peut pas jouer. Et que Joe Ingles s'est fait une terrible blessure la semaine dernière. C'était la pièce principale d'un éventuel transfert. Donc là, aucune, mais aucune idée de ce que va faire Utah à la trade deadline. My best guess personnel, c'est qu'ils vont rien faire. Ils vont rien faire du tout. Ils vont dire, on croit à cette équipe si elle est en pleine forme. Et donc, on va prier pour qu'il y ait Bogdanovic qui revienne, Mike Conley qui soit en forme, de Rudy, Donovan, et on va en playoff et on essaye de foutre le bordel. Mais alors là, franchement, Utah, moi, je serais fan de Utah, là, je me chierais dessus très très fort. Parce que ce qui est mentionné pas mal, c'est que si là, tu avances tout droit, tu passes la trade deadline, Danny Ainge il est vénère, et là au playoff tu fais maximum une demi-finale de conf, rendez-vous à la draft. Et alors là, vas-y. Hein. Là, Donovan, Rudy, Bogdanovic, Mike Conley, là ça va être la teuf. Hein. Si Utah se refait une aventure en playoff décevante, là, ça va péter. Donc, pensez ému à nos amis du Jazz, parce que là, j'aimerais pas du tout être à leur place. C'est très compliqué. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, puisque c'était un petit peu le tour des news, je vais vous proposer un petit quiz qu'on va faire en speed. Parce que dans quelques minutes, ils annoncent notamment les participants du Rising Stars et j'aurai tout qui sera prévu. Je vais vous proposer un petit quiz pour ce soir. Attention, j'avais parlé de la lose. Et je vais vous filer le lien tout de suite dans le chat. Vous pouvez ouvrir ce lien. Et je fais un coucou à Philly Gang, qui a fraîchement ménagé dans le pays natal de Dirk Nowitzki, magnifique. Je vous envoie ce lien, voilà, que vous pouvez ouvrir. Et le quiz du jour, c'est le suivant. Est-ce qu'on peut nommer les joueurs qui ont mis le plus de points en finale, playoff et saison régulière, mais n'ont pas remporté le moindre titre? Oh la lose! Oh la lose! La FFL, tout à fait! N'hésitez pas à ouvrir ce petit quiz, je vous redonne le lien, il est minuit 58, on va pouvoir faire ça en 5 minutes max chrono, vous pouvez y participer, le concept il reste le même, si vous voulez vous faire spoiler et qu'on s'amuse ensemble, vous laissez le son. Si vous voulez pas du tout que ça parte en freestyle et vous voulez le faire dans le calme et la sérénité totale, eh bien vous coupez le son et c'est comme ça. Voilà, donc petit quiz, je vous laisse ouvrir ce lien et on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. On a 45 noms à donner en 5 minutes. Il y a les équipes, les années, enfin genre voilà, ça va. Normalement, ça va. Donc on parle de ceux qui ont scoré le plus de points en finale NBA, en playoff et en saison régulière, mais n'ont jamais gagné de titre. Hashtag top 10 all time des plus beaux losers. Les monstres sans bague. Oui, tout à fait, on a vu le tweet de Adrien Wojnarowski sur DeAndre Ayton, puisque nous l'avons relayé à l'audio. Et j'en ferai un petit tweet tout à l'heure. Je remets le lien, on va pouvoir commencer dans quelques secondes. Allez, dans 10 secondes, je vous laisse ouvrir ce petit lien tout de suite dans le chat. 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, top chrono. Il y a du Karl Malone, non? Il y a du Baylor? Baylor? Il y a du Barclay? Barclay? Iverson, non? Ok. Jerry West. Bah non, il a gagné une bague. Là, ça va commencer à devenir fun. Alors, qu'est-ce qu'on a? Portland, de 86 à 2002. Ty Porter. Ok. Houston, 2010 à présent. Harden et Westbrook, on y est.
Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre légende du jeu? New York, Carmelo? Patrick Ewing? John Starks? Non. Charles Oakley? Non plus. Atlanta, Doe Wilkins. Toronto, Vince. Oh, c'est terrible. C'est terrible quand même quand vous voyez ces joueurs. Hein. Alex English. Ah oh, putain. Indiana, ben oui. Ben ouais, Stockton. Même pas. Dantley, il a pas de titre. Ouais. Atlanta 75. Bah mon pote à la compote, hein. Pete. Même pas. Lenny Wilkins. Non. Lou Hudson. Bah. Wayne Tree Rollins. Je l'ai pas, on verra. Les Spurs de George Gervin. Tralala. La 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 la. C'est dur. Ah bah non, les Hawks des années 60-70. Bob Petit. Bah non. Bah, qui a mis autant de points? Clyde Lovelett. Bon, on y reviendra. Chris Paul. Indiana. De 2010 à Oladipo. Sabonis. Qui c'est qui a mis autant de points? Ah, Paul George. Oh, Paul George, mon pauvre. Phoenix. Nash. Ok. Phoenix. De 88 à 2000. Dan Majerle? Non. Kevin Johnson? Ah, Utah 87-2000. Hornacek? Ok. Finale NBA. Bon, alors là, ça va partir en couille. Là, ça va partir en freestyle. New York des années 50. Putain, mais vous voulez que je me taille les Joe Fulks? Polarizine? D'accord. Mais là, c'est chaud. Nate Thurmond? Rick Barry, il a remporté un titre. Bob McAdoo? Ouais. Oui, en plus, je suis con. Bob Petit, il a un titre. Il est champion en 58? 58, je crois. Oh, je sens que ça va te choquer. Atlanta dans les années 60. Bon, je vais voir. Dallas, de 85 à 2002. Michael Finlay? Ben non, il a un titre. Rolando Blackman? Ralph LaFrenz, Van Exel, Dirk Nowitzki, bah non, il l'a. Chez les Mavs de 85 à 2002, qui c'est qui a joué autant? Eric Dampierre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah là, ça va devenir chaud. Hein. Philly de 76 à 89, Andrew Tony, Moses Malone, bah il a des titres. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui a fait une dinguerie dans les années 80 mais qui n'est pas titré avec les Sixers? Jeff McGuinness? McGuinness? Ah, comment il s'appelle dans les années 70? Putain, l'ancien coach de Jordan. Ah, Doug Collins. Non. Julius Erving? Mais il a un titre! Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Oh là là, ça va être chaud. Conan, nom de Dieu, Walt Bellamy? D'accord. Bob Lanier? Denver de 2001 à 2015, J.R. Smith, Nikola Jokic. Mais non, c'est pas possible, Kenyon Martin, nom de Dieu. Dallas, mais attends, c'est qui finit en 2015? Donc il finit en 2002 à Dallas. Qui c'est qui finit en 2002 à Dallas? Un vieux crouton là. Glenn Rice. C'est quoi ces équipes là où ils avaient n'importe quoi en sortie de banc? Oh là là, caca. Je peux pas. Les Fort Wayne Pistons. Ouais, mais les mecs, vous me demandez des trucs, là. Les Chicago Sapphire, Bob Love. Jerry Sloan. Les Lakers des années 60. Putain. Ah, je ne l'ai pas. Je vais choke en finale. Ça n'a pas de titre. Qui fait quoi? Larousseau, putain, tu m'oublieras. Bordel de merde. Zaflovski, le fameux scientifique. Larry Foust qui me tabasse à chaque à chaque quiz. Daryl Dawkins, ok, j'avoue. Yardley, Harry Galatin, Ernie Van de Veghe, ça j'avoue c'est pour moi. Sam Perkins, bien joué. Jim King, le fameux dictateur coréen, et Nat Clifton, incroyable. Excusez-moi, Jim King, extraordinaire. Je n'avais absolument pas la connaissance d'un joueur qui s'appelait Jim King. Je ne savais pas. Bon, au moins on a eu bon. Vous avez fait combien?
Oui, le copain des Hawks, pour LaRusso, je suis obligé à chaque fois de faire la référence. 27, c'était dur. C'est vrai qu'il n'était pas facile. Hein. Fallait en mettre combien? J'en ai eu 35. Et caca, hein. Caca culotte. Hein. Bah, bravo à ceux qui ont fait plus de 30. Hein. Dans tous les cas, je vais devoir rafraîchir. Et vous, sur Twitter, hein, je parle, pas me rafraîchir. Et voir ce que ça dit, parce que normalement, on a TNT qui va annoncer les joueurs présents pour le Rising Stars. Ça devrait tomber dans... Ayodosumnu, c'est sûr, ça tombe. Il y a déjà du Ayodosumnu qui vient de tomber. Ah, j'imagine qu'il y aura d'autres garçons, hein, Herb Jones, etc. Je vais aller voir NBA on TNT quand même. NBA on TNT... Il doit y avoir 2-3 infos non, à balancer, quand même. Qu'est-ce qu'on a? Non, ils l'ont pas encore fait. Ça va tomber, hein. J'ai juste vu Ayo Dosunu, là, qui est tombé. Donc, veuillez m'excuser. Je vais peut-être d'ailleurs prendre quelques questions pour ceux qui veulent, en attendant que ça tombe. Parce que je pense qu'on devrait avoir le tweet d'ici quelques minutes. C'est quel jour les remplaçants du All-Star Game? C'est ce jeudi. Ce jeudi, donc après-demain. Soyez présents évidemment sur Twitch, puisque je ferai une émission, une grande émission, de minuit à 1h, 1h30 du matin. Et on aura l'annonce des remplaçants, où ça va forcément être en mode hashtag blasphème. Donc voilà. Ouais, il y a Josh Giddy aussi qui a été annoncé. Bon, voilà, on va voir. Quelques questions que je récupère en attendant d'avoir donc les annonces officielles de nos amis, les participants du Rising Stars. Qu'est-ce que ça me met en question? Les finales pour Memphis cette année, on va se calmer. C'est déjà bien d'être en playoff dans le top 6. C'est déjà bien d'être de passer un tour et puis après on verra. Salut Bastien, c'est mon anniv, le boss, des gros bisous. Et ben bon anniv monsieur Varlet, V Varlet. Bon anniv à toi, magnifique. Je te souhaite un beau mois de février, une belle année. T'en penses quoi des rumeurs concernant Marcus Morris au Heat? Pat Riley n'est pas du genre à faire des énormes chamboulements chaque saison, en cours de saison, donc on va surveiller. J'ai surtout envie que Marcus Morris revienne sur le terrain, parce que t'as l'impression que depuis la patate qu'il a pris de Jokic, putain, il n'est pas revenu. Hein. Donc, bon. Est-ce que le jeu de société Trash Talk est toujours en vente? Bien sûr, allez-y. Alors que Alperen Sengun vient de nous annoncer... Ah... Ça y est, on commence à la voir. Regardez, je vais vous le mettre là. Pouf. On a le front court du Rising Stars qui est prêt. Franz Wagner, Scotty Barnes, Evan Mobley, Herbert Jones et Alperen Sengun. Très bien. Bon. On va attendre qu'il y ait d'autres news qui tombent. Mais pour le moment, on a le... C'est parce que c'est ce nouveau système qui est un peu bizarre. Bon, moi, je suis chaud hein, pour les essais de la NBA. Hein. De toute façon, Adam Silver, il a compris. Il faut être original. Hein. Faut... Le back court, on a ça. Très bien, c'est annoncé. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que j'ai un back court aussi, avec Kate Cunningham, Chris Duarte, Josh Giddey, Ayo Dosunmu. Le Clorox. Est-ce que c'est un médicament pour la diarrhée? Excusez-moi, j'avais pas du tout vu que c'était le Clorox Rising Stars. Problème de digestion? Clorox? C'est une horreur ce truc. Symptômes grippaux, Clorox. Mais c'est extraordinaire. C'est quoi Clorox? Quelqu'un m'a dit que c'est un désinfectant? C'est de la Javel? Putain. Allez la jeunesse, hein. Nettoyez-moi tout ça. Hein. Putain, ils n'auraient pas pu trouver mieux quand même. C'est un scandale. J'attends qu'il y ait d'autres annonces qui soient faites parce que c'est un peu troublant, je dois vous avouer. Désolé pour la qualité de cette fin de live, mais... J'avoue que là, j'essaie de savoir comment est-ce que ça a fonctionné. Voilà, on a le back court et on a le front court. Désolé, je l'ai pas en tête. On va attendre d'avoir plus d'informations parce que pour le moment, j'ai juste ça. J'ai juste un front court avec Franz Wagner, Scotty Barnes, Evan Mobley, Herbert Jones et Aperen Sengun. Et le back court avec Kate Cunningham, Chris Duarte, Josh Giddey, Ayo Dosunmu. Voilà. En espérant en savoir plus prochainement, parce que putain, il faut qu'il communique mieux, Adam Silver. C'est compliqué.
Bon, enfin bref, je récupère encore 2-3 questions et puis après je vais mettre un terme au live, comme ça ça me permettra de mieux comprendre cette histoire de Rising Stars. Est-ce que le record de passes décisives de John Stockton peut tomber? Non, non, non. Non, non, ça ne tombera pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, je regarde sur le chat. T'en penses quoi du niveau de Westbrook? Sans commentaire. Est-ce que c'est toujours possible le MVP attendu pour Stephen Curry? Oui, mais il faut qu'il s'y retrouve. Un peu comme hier soir contre Houston. Il faut qu'il s'y remette. Voilà, sérieusement. Mais attention, ça discute autour là. Embiid et Jokic, ils viennent de dire, bon, on est dedans. Il y a Yanis et KD qui vont encore faire des dingueries sur les prochaines semaines, donc voilà. Est-ce que Sengun joue un vrai potentiel? Oui. Ouais, oui, il faut juste lui faire de la place. Est-ce que vous êtes fan des Pacers? Clorox est là pour vous. Magnifique. Si vous êtes fan des Kings, Clorox est là à vie. Est-ce que Ja a un meilleur potentiel que Zion? Bah, on est en train de le voir, je pense, ouais. Mais il faudra surtout donner du temps à Zion avant de le raturer, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des rumeurs de trade sur Justin Holiday côté Pacers? Oui, de toute façon, c'est un jeu de domino à Indiana. S'il y a un transfert de Sabonis et ou de Turner et ou de Caris LeVert, Justin Holiday sera dans la foulée. Donc voilà. Je prends encore 2-3 questions et après je vais me mettre sur les matchs parce que ça va commencer. Là, il y en a une belle nuit de rencontres. Les pronostics en speed, puisqu'on pose la question. Détroit, New Orleans, victoire de. Détroit avec un gros Kate Cunningham. Milwaukee Washington, victoire de Milwaukee pour enfoncer les Wizards. Toronto Miami, victoire des Raptors parce qu'il y a pas mal d'absents du côté de Miami, même si c'est un gros back-to-back pour nos amis de Toronto qui ont les jambes bien lourdes. Victoire de Chicago contre Orlando. Victoire de Minnesota contre Denver. Victoire de Sacramento de San Antonio contre Golden State parce qu'il y a beaucoup trop d'absents chez les Warriors. Et victoire des Suns face à Brooklyn. Voilà, je pense que ça va partir là-dessus. Allez, encore 2 petites questions et après je vais vous laisser. Est-ce que les Clippers ont trouvé des clients pour Ibaka et Bledsoe? Je ne pense pas. En tout cas, c'est mal parti, mais ça peut toujours jouer au buzzer. On le suivra en direct jeudi prochain. Et Harrison Barnes et Gordon, Eric Gordon à Utah, ça peut enfin aller chercher le titre. Si Harrison Barnes et Eric Gordon terminent à Utah, je veux bien voir le package et je me mets au patinage artistique. Voilà. Il y en aura peut-être un des deux. Je le souhaite au Jazz, mais ça va me sembler un petit peu compliqué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ces annonces de Rising Stars pour essayer de comprendre un peu mieux quelle est la sauce dans laquelle nous met Monsieur Adam Silver. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire des bisous. Remercier toutes celles et ceux qui étaient là pour ce petit live. Vous étiez encore plus de 2000. Vous êtes des choux et des choupichous. Où vous soyez dans le monde. Je sais que pour certains, il est 1h du matin. Pour d'autres, c'est le matin ou l'après-midi. Ce replay sera évidemment disponible sur YouTube. Ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à venir. Ce jeudi soir... Ah bah voilà! Excusez-moi. Ce jeudi soir, pendant que je fais les annonces, ce jeudi soir, on aura donc un petit live à minuit pour vivre les annonces de remplaçants du All-Star Game. Donc c'est absolument immanquable. Et jeudi prochain, le 10 février, on ne loupe sous aucun prétexte la trade deadline 2022 qui ne sera pas sponsor par Clorox. Les voilà, hein, les 12 joueurs. Du Rising Stars. Scotty Barnes, Kate Cunningham, Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Josh Giddey, Jalen Green, Herbert Jones, Davion Mitchell, Evan Mobley, Perrin Sengun, Jalen Suggs, Franz Wagner. Voilà. Magnifique. Et sur cette belle note, je vous souhaite une bonne nuit à ceux qui vont se coucher, une bonne journée à ceux qui regardent le replay, une bonne nuit de match pour ceux qui vont me suivre maintenant sur Twitter. Des bisous, vous êtes amour et volupté et voluptance. Et on se retrouve très vite avec Léon Salaprod sur Twitch. Des bisous. À très vite. Ciao.